La France outragée, la France brisée, la France martyrisée, que dis-je, la France libérée. Bienvenue sur le monde merveilleux de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance et du respect. Ici Chris Sinclair, vous allez bien? Nous allons parler aujourd'hui de notre cher général de Gaulle et de voir sa pensée, quelle pensée il aurait par rapport aux événements actuels. Qu'en pensez-vous? Moi, j'en pense que du bien. Voilà. Donc, allons voir ensemble ce qui va se passer. Enfin, qu'est-ce qu'il penserait de la situation? Je tiens à vous dire avant de commencer ce tirage, qui risque d'être explosif et très intéressant parce que tout se vante de ce passé-là. Alors ça, je trouve ça fort amusant, mais enfin bon, on va aller voir ça. Mais je tiens à vous dire quelque chose. Pour les investisseurs, je me répète, la Russie, enfin le monde de Poupou, aura le vent en poupe pour 200 ans. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, les énergies vont être à cet endroit-là pour 200 ans. Pour les investisseurs, alors écoutez bien ce que je vais vous dire, si vous voulez vous investir, c'est dans le rouble. Vous commencez à comprendre ce que je suis en train de vous dire? Voilà. Par contre, je suis pas si négative que ça. Bricaton est tellement en train de faire des bêtises à droite à gauche, il est en train de tout foutre en l'air mais il s'en rend même pas compte parce qu'il croit qu'il fait les choses pour le pays de l'oncle Sam. Vous savez que finalement c'est le pays de l'oncle Sam qui régit tout ça hein, actuellement, que ce soit nous ou la piste aux étoiles, c'est eux qui sont derrière dans l'état si profond, voyez-vous. Donc, ils vont tellement monter haut et tellement se casser la figure au niveau de la monnaie de la piste aux étoiles ou le dodo qui a du lard, je pense qu'ils vont se casser vraiment la figure. Donc, tout le monde va se retrouver à être autonome, autonome, se retrouver entre nous, voyez-vous, dans nos villages, dans nos villes, dans nos campagnes. Enfin, moi, j'adore la campagne parce que Lutèce, ça sent tellement mauvais par moment. Excusez-moi, mes amis de Paris, là-haut, c'est pas contre vous, mais vous voyez ce que je veux dire. Parce que arrêtez d'écouter les chiennes médiatiques parce que là, ça c'est vraiment du n'importe quoi. Notamment demain, il y a une émission sur la 6. Franchement, quand on fait de la manipulation, là, on y est bien, hein. D'accord? Et même Bricaton veut même pas aller voir les gens. Voyez-vous, c'est les sinistres qui vont se déplacer. Que voulez-vous? On est des gueux pour eux. Voilà. Voilà, nous sommes pas assez bien pour eux. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, on va voir si, pour moi, si vous voulez, à la limite, ça serait pas si négatif si les gens repartaient de la base. Ça veut dire tout simplement se retrouver entre nous. Et puis pour nos agriculteurs, je trouverais ça phénoménal qu'enfin on retrouve notre grenier à grains dans notre si beau pays. Qu'en pensez-vous, les amis? Donc, allons voir ce que se dit ce fameux, cet extraordinaire, cet exceptionnel général. Je vous rappelle qu'il n'était pas si exceptionnel à l'époque puisqu'on l'a mis dehors. Il a été mis dehors. Mais voyons ce qu'il en penserait aujourd'hui puisque tout le monde revendique sa parole. Qu'est-ce qu'il penserait de Bricaton et de la piste aux étoiles? Vous vous rappelez quand il sautait comme un cabri qui disait « L'Europe, l'Europe, l'Europe !» Ben oui, évidemment. Donc, allons voir gaiement. Qu'est-ce que dirait ce dit, ce fameux, cet extraordinaire général? Je vous en foutrais, moi. Voilà. Qu'est-ce qu'il penserait de la situation? Alors, j'ai appris aussi hier, mes amis, qu'un homme qui, comment vous dirais-je, il serait intéressant de faire une enquête sur la personne. Alors, il s'appelle Clément, de son prénom, Beaune. Il se trouve être dans les élites, voilà, qui est derrière beaucoup de choses. Et j'ai compris qu'il y avait beaucoup, encore plus de choses, disons, du pays de l'oncle Sam derrière, voyez-vous. Très intéressant tout ça. Alors, dites-moi ce que le général dirait de cette situation. Alors, qu'est-ce qu'il dirait le général?
Alors avant que je continue, bon, je remue tout ça, vous savez, comme d'habitude. Merci aux nouveaux arrivants, merci aux nouveaux abonnés, merci pour vos pouces, vos likes, vos partages, etc. Et puis j'aime beaucoup quand vous répondez les unes les autres, enfin, des fois ça me fait kiffer grave, quoi. Franchement, génial, 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 topissime. Donc dites-moi, général, qu'est-ce que vous penseriez de la situation? Alors, j'ai pris le Golden Tarot, hein, parce que quand je vais en général à ce niveau-là, je prends le Golden Tarot. Voilà, je vais prendre le Golden Tarot. Voilà, encore une, le général, général. Voilà. Alors, j'ai entendu dire quelqu'un, et là, je dois rectifier les choses. J'ai entendu dire quelqu'un, mes amis, concernant le tarot notamment, de dire « Ah ben on ne prend juste les cartes majeures, il faut surtout pas le faire à l'endroit l'envers, ça ne sert à rien. » Ben oui, c'est comme si vous faites une recette et vous en faites que la moitié. Voyez-vous, imaginez, vous fassiez une quiche Lorraine, vous oubliez, enfin, vous faites juste le fond de tarte et puis vous mettez du gruyère dessus, c'est pareil, voyez-vous. À ce propos, on m'a demandé, une de nos amies, qu'est-ce que j'avais mis dans la potion de mon mari, vous savez, pour les problèmes articulaires. Voilà, genre, ben, fouille. J'avais mis, donc, la reine des prêt, du frêne et de l'ortie. D'accord? Voilà ce que j'avais fait, une composition de mes herbes. Et vous ouvrez un petit grimoire de vos propres compositions. Voilà. Qu'est-ce que dit le général? Ah ben pour l'instant, il se gausse. Il se gausse, ça veut dire rire. Hein. Il sourit de la situation. Il sourit de la situation. Attendez, on va voir... donc, bah, écoutez, il en pense pas grand chose pour l'instant. On dirait qu'il, là où il est, il picole. Oh! Excusez-moi, hein. Bah, écoutez, ça sort, ça sort. Il est bien là, hein, puisqu'il me sort ici, hein. Il me sort ici, mais ça me dit clairement, si vous voulez, il rigole de la situation, il s'engosse, et puis il est avec un ami qui est aussi disparu, et à tous les deux, il picole. C'est comme s'il prenait l'apéritif, voyez, en se gaussant de nos élites actuelles. Voilà ce qu'il en dit parallèlement, et on verra après qu'il nous donne un message. Qu'est-ce qu'il pense de la situation? Il pense clairement que c'est un rigolo, ou je dirais plus une rigolote, voyez-vous. Voilà ce qu'il pense de notre bricaton, il pense que c'est une rigolote, voyez-vous, parce que lui, bon, là, ça me dit clairement que c'est le roi c'est le cavalier de coupe, donc il est bien parti, mais là il pense que c'est un rigolo, et il n'aura, alors toujours pareil, voyez-vous, quand vous me dites, est-ce que j'ai dit qu'il allait partir et quoi que ce soit, je ne peux pas vous dire, mais j'en sais rien, j'arrive pas, je sais qu'il passe par des périodes très difficiles, et ça commence le 15, alors le 15, je vous ai dit les deux dernières semaines de mars, donc là, si vous voulez, il vous dit clairement qu'il se gosse de la situation, que pour lui c'est une... Oui, c'est même pas un mec, quoi, je veux dire, ça n'a rien, qu'apparemment, lui, il se pose beaucoup de questions, hein, contrairement, il se prend beaucoup plus la tête que vous ne pouvez l'imaginer, cet avorton, enfin, l'avorton, le guignol, appelez ça comme vous voulez, la nuit, il se prend le truc, et apparemment, ça se passe, il passe pas de très très bonnes nuits, mais il vous dit clairement, clairement qu'il n'en pense rien de bon, et qu'il faudrait... ben, le satelliser, appelez ça comme le coup de boulet, appelez ça comme vous voulez, mais pour lui, c'est de la crotte de bique. Donc, quand Bricaton est allé, il est allé, non, là-bas, au machin des deux églises. Donc, automatiquement, il s'en fout complètement, il dit simplement que il ne mérite pas son titre et qu'il faudrait le dégager. Il serait là, il y a longtemps qu'il aurait déjà gagé, il n'aurait pas pu être aux manettes. Ça, c'était sûr. Ça, c'était sûr que c'était différent, hein. C'était pas du tout de la même chose, même si, à titre personnel, je vous le dis, mes amis, je n'appréciais pas beaucoup ce personnage, parce qu'il a eu dans le passé quand même des attitudes, après la guerre, pas très cool, vis-à-vis de gens qui étaient très bien, je pense au général Leclerc, mais aussi à Jean Moulin, ou tout ça, les choses ne sont pas aussi claires qu'on voudrait bien le dire.
Il dit clairement qu'il est en train de foutre en l'air toutes les familles, hein. Il y a de la bassesse, de la médiocrité, mais il est en train de foutre en l'air toutes les familles. Il y a des projets qu'il est en train de faire. Oui, alors là, il vous prévient, donc encore une fois, que il vous dit bien qu'effectivement, Bricaton a envie de tout foutre en l'air, tous les projets, de casser les familles, qu'il n'y ait plus de famille dans le temps, et le Clément point 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 Beaune dont je vous ai parlé, vous feriez bien, on fera un tirage sur le personnage, parce que ce que j'ai appris hier n'est pas relié en ce qui le concerne, et là ça devient très très grave. Là ça dit clairement qu'au niveau professionnel, attendez, qu'au niveau professionnel, si vous voulez, il ne vaut pas un pet de lapin. D'ailleurs, si vous analysez l'image, ça dit clairement qu'il y a les trois, il y a trois épées au-dessus qui me dit la rupture, hein, qu'il essaye par tous les moyens, parce qu'il sait très bien qu'il est sur la sellette le Bricaton, et qu'à tout moment, ça peut lui voler en éclats. D'ailleurs, il essaye de se protéger tout azimut, c'est pour ça qu'il va pas devant les Français. Hein, il n'aime pas les Français, ça c'est une certitude, et il a toujours son épée à côté de lui. Donc bien au niveau professionnel, il veut casser les familles, il veut casser l'ambiance des familles et que les gens sont coincés chez eux, voyez-vous. Comme ça, on peut mieux les maîtriser. Remarquez, si on pouvait ne plus être là non plus, mais d'être dans des boîtes, peut-être que ça l'arrangerait un peu plus, voyez-vous. Là, je crois qu'il faut être honnête sur le sujet. Voilà ce que pense le général, mais il vous le dit clairement, hein, dans son truc là, en fait dans ce tirage, pardon, excusez-moi. J'ai dit, il faut que je fasse attention à comment je cours par moment. Donc au niveau de l'international, alors ça c'est les choses que le général vous dit par rapport à Bricaton, qu'au niveau international, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de vouloir provoquer une guerre, d'accord? Mais, et c'est là où je reviens par rapport à ce que je vous dis juste en amont, que ça risque peut-être de nous arranger, parce qu'en voulant provoquer ces guerres au niveau de l'Europe, je vous avais dit que partout où il passerait, ça serait pour foutre la perturbation. Eh ben c'est cela, et donc automatiquement, ce qu'il veut, c'est foutre la perturbation, mais ça risquerait de nous arranger dans le sens où on se retrouverait juste entre nous à des choses plus utiles et plus essentielles. C'est pour ça que je vous ai dit à plusieurs reprises, d'abord de récupérer tous vos livres dont vous avez besoin. Là, il y a urgence parce que vous voyez, il y a des livres qu'on ne retrouve plus déjà, de vos produits, de tout, et puis de rester en local, voyez-vous, et puis vous faites des produits de saison, voyez-vous, vous apprenez à faire des choses. Donc clairement, cet abruti, le général dit, il veut déclencher au niveau, c'est Bricaton qui veut déclencher cette guerre globale, ça vous va? Cette guerre globale, attendez, donc c'est bien lui qui est à la manœuvre, il vous dit. Voilà, mais apparemment, lui et la Ursula, hein, qui ont le projet, le Bricaton et la Ursula, ont le projet de déclencher cette troisième guerre globale, dans le but, si vous voulez, de rafler tout et de mettre tous les gens à... de changer de monde, voyez-vous, de passer directement dans ce monde de globalité. Ça serait plus simple pour eux, mais... Et là, j'en suis sûre parce que j'ai eu des flashs cette nuit. Même vous dire un truc, c'est que je me suis levée en retard. Je me suis levée en retard ce matin et j'ai été virée de mon lit, voyez-vous, mais avec perte et fracas. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors que j'étais bien dans mon lit. Eh ben non 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 non, ça me disait clairement que y a des choses qui se passent. Vous voyez, avec les éléments ou l'au-delà, enfin appelez ça comme vous voulez, ou les êtres de lumière. Quand on dit ça, par exemple, on ne sait jamais par quel biais ça va passer. Voyez-vous, ça passe, mais on ne sait jamais comment ça va se faire, parce que l'on les choses dans la globalité au niveau des énergies que nous on n'a pas. Nous on voit qu'un sens matériel, mais si jamais ils font ça, de toute façon, comme je vous l'ai dit, le poupou est... Oui, j'ai une de nos amies qui m'a dit, comment vous dirais-je, qu'ils avaient sans doute des gens comme moi, ils ont des gens qui font de la magie, certainement, mais pas qui sont dans le côté spirituel, voyez-vous. Donc ça change la donne. Donc eux, ils y vont que pour la matière.
Or, si vous faites, vous voulez de la matière et que vous ne mettez pas le grain de sel du monde spirituel, ça ne marchera pas. Et là, ça va leur retourner, se retourner contre eux, parce que je vous dis, bec et ongles, le monde de Poupou, vous voyez ce que, lequel je veux vous dire, et les sinoiseries auront le vent en poupe pour 200 ans. Vous comprenez ce que je veux dire? Et je sais que là-bas, dans le monde de Poupou, ils sont en train de tout recréer autrement. Et même, je vais vous dire que toutes les sociétés que les Français quittent là-bas, eh ben, elles sont nationalisées derrière, ils peuvent pas récupérer le matériel. Donc, si vous voulez, là, l'autre, les deux saloperies, là, excusez-moi, je les trouve. Ouais. Les deux saloperies, donc Bricaton et Ursula, sont en train de mettre le caca boudin, mais ça va se retourner contre eux forcément, forcément, parce qu'ils ont beau payer les chiennes dites médiatiques, automatiquement, si vous voulez, ça leur retombera dessus, parce que même tout ce qu'ils vous annoncent alors ici, ben, est faux, et archi faux, et ultra faux, quoi. Donc, c'est tout de la manipulation. Il faut savoir que tous ceux qui sont à la tête de ces chiennes, entre guillemets, sont payés et ont le pouvoir, sont les potes à Bricaton. D'accord? Vous commencez à comprendre? Donc, le général vous dit clairement de ne plus écouter ce genre de choses, que tout si, enfin, lui, ça l'amuse de voir, comment dirais-je, de voir cette chose qui se prend, prend pour un truc, il le prend plutôt pour un abo et puis une demoiselle, voyez-vous, voilà. Rousseau pour une demoiselle. Allez voir mon histoire de Clément, point, 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 Beaune. D'accord? Voilà. Donc, je vais prendre celui-ci et on va demander, on va poser la question, je voudrais, cher général, que vous nous disiez quel conseil vous donnez à nous, hein, à nous que vous avez tant apprécié, et bien que vous ayez dit des choses, des fois qu'on était des moutons. Est-ce que nous sommes des moutons ou on va se laisser faire? Qu'est-ce que vous en pensez, mes amis? Donc, on va voir qu'est-ce qu'ils pensent. Donnez-nous un message, cher général. Donnez-nous un message pour les Français. Voilà, donnez-nous un message pour les Français, s'il vous plaît. Voilà. Alors, on va y aller. Alors, je vais retourner, excusez-moi, parce que là, je le prends dans ce sens-là. Celui-ci, ça nous dit clairement que la clé pour vous, c'est de retrouver votre équilibre dans la paix. D'accord? Il vous donne le message, mes amis, de retrouver votre équilibre dans la paix et d'arrêter de d'écouter toutes ces mensonges. C'est, vous savez, ça fait 5 ans qu'on vit dans la peur d'un truc, dans la peur d'un autre. Est-ce qu'on va manquer? Est-ce qu'on va pas manquer? Vous avez vu le prix des matières premières, hein, ça flambe, je l'avais annoncé, hein, il y a 5 mois maintenant, je vous ai annoncé tout cela. À ce propos, les amis, j'ai fait tous des tirages sur les signes astrologiques, donc vous pouvez très bien prendre votre tirage, votre ascendant, et vous faites la synthèse des deux, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question, donc vous pouvez, j'ai fait des tirages pour tous les signes. Voilà, vous allez sur ma chaîne, vous trouverez. Donc, il vous dit clairement que votre équilibre, la solution pour vous, c'est de vous retrouver dans la paix. Et comment on fait dans ces cas-là pour se retrouver dans la paix? On coupe son poste qui ne sert à rien du tout. Alors, si vous pouvez aller voir des vidéos ou des choses qui vous font rêver ou vous êtes bien avec, sur YouTube, vous en avez plein. Enfin, moi, j'aime beaucoup, c'est quoi l'autre, le programme où on voyage beaucoup, voyez-vous. Ça, on fait bien, mais le restant, j'écoute plus, quoi. On n'écoute plus ce genre de conneries. Et il vous dit clairement de vous retourner dans le monde spirituel. Alors, la méditation. Beaucoup de gens me posent la question comment je fais pour certaines choses. C'est la méditation. Ça, il n'y a pas à tortiller. Si vous méditez, automatiquement, vous retournez au monde spirituel. Et quand on me dit est-ce qu'il faut se faire protéger, je vous dirais que quand vous êtes là-dedans, et ça, je vous l'avais dit dans une ancienne vidéo, vous êtes obligé d'être H24 dedans, dans le monde spirituel, voilà, donc sinon ça peut pas marcher. Donc de retourner dans la lumière et de laisser de côté, de fermer la porte de ce Bricaton. Si tous
tous et toutes, nous arrivons à couper avec ce genre de personnes, je parle de Bricaton et de sa clique, hein, etc. Émotionnellement, voyez, intellectuellement, vous coupez avec lui, vous ne l'écoutez plus rien. De toute façon, ça va le rendre fou parce que c'est le propre des psychopompathes. C'est justement de l'accorder, leur accorder aucun intérêt, ils ne supportent pas. Voilà, puisque lui, c'est la science infuse pour lui. Donc ça, il ne supportera pas. Mais de ce que je vois là, il y a quand même un blocage qui va se créer vis-à-vis de Bricaton à un moment donné ou à un autre. C'est une certitude. Alors, quand vous dites, oui, vous avez dit qu'il partirait, je vous dis qu'il y aura un blocage certain. Mais dans ce cas-là de figure, je laisse faire les éléments. Quand je fais des rituels, je ne m'occupe pas toutes les 5 minutes de ce qui se passe ou pas. Je laisse faire jusqu'au résultat. On est clair sur les choses? D'accord, donc il y a deux mondes qui se créent. Alors, j'ai déjà parlé de cette quartière par rapport au doute. D'accord, vous savez, c'est que quand on a un doute sur quelque chose, rien ne se peut se réaliser. Si je fais un rituel sur quelque chose, si j'ai des doutes, automatiquement, ça ne marche pas. D'accord, donc on enlève les doutes. Avec le temps, les adversaires tomberont dans le doute. Ça veut dire que tous ces gens, Ursula, machin, chose, à force d'en faire, vous savez, au plus, ça me fait penser l'histoire de Pierre, c'est une fable, hein, le Pierre et le loup. Vous voyez, Pierre qui criait au loup, au loup, au loup tout le temps. Ça a été un temps, jusqu'au moment donné, plus personne ne le croyait. Puis un jour, il y a vraiment eu le loup qui est arrivé et qui l'a mangé. Donc, effectivement, ben là, c'est pareil avec nos Bricaton Ursula. Ce sont des adversaires, ce sont pas des gens bien pour nous, puisque vous avez vu, on n'existe pas. Hein, on est juste là pour payer, c'est tout. Donc, automatiquement, ce sont devenus des adversaires et ils vont rentrer dans une phase de doute. Donc, c'est pas négatif. Les énergies, pour moi, c'est le monde de l'au-delà, sont en train de leur mettre des doutes dans la tête. Mais en ce qui vous concerne, il faut arrêter avec ces doutes et de vivre dans la peur. Si vous écoutez ces chiennes médiatiques, ils vous mettent dans la peur. Alors, c'est vrai que hier, je vous ai secoué un peu. Mais écoutez, franchement, il y a des moments, voilà, quand vous me dites, oui, mais pourquoi ça se fait pas? Excusez-moi, mes amis, mais quand vous avez besoin d'une baguette de pain, alors soit vous le faites avec vos petites mimines, soit vous allez chez le boulanger pour acheter votre pain. On est bien d'accord sur le sujet. Ben là, c'est pareil, ben on agit, etc. On met quand je dis de mettre ses mimines dans le bureau de vote, là, vous savez, j'allais dire dans l'urinoir. Non, dans l'urne. D'accord? Quand vous mettez mes petites mimines, vous mettez une énergie. D'accord? Et cette énergie peut être constructive, on le sait. Voilà. Donc, eux, ils vont rentrer dans une phase de doute. Ça, c'est une certitude. Et là, on voit très bien, si vous voulez être honnête, nous avons la paix, la lumière et l'adversaire. D'accord? Donc, l'adversaire, l'adversité, c'est le monde d'Ursula et de toute sa clique, n'aime pas la lumière, puisqu'ils n'arrêtent pas de mettre les gens en porte-à-faux. Oui, effectivement, ils ont voté pour la vaccine. Les vax points obligatoires, ça a été voté effectivement au niveau de la piste aux étoiles. Voilà, donc il faut le savoir. Donc si vous dites stop tous ensemble, s'il y a des bandes de gougnafiers qui veulent y aller, ben c'est sûr que voilà, à un moment donné, ça crée deux mondes, voyez-vous. Donc il faut faire attention avec ça. Donc il nous dit clairement, voilà, il y aura deux mondes qui sont en train de se créer. Et il va falloir se bouger les fesses. Là, ça me dit donc, voilà, vous êtes, maintenant vous le savez que ces gens ne sont pas faits pour vous. Et là, vous pouvez pas le dire le contraire. Vous, ça fait 5 ans, moi je répète à tout le monde. Dès le premier jour où j'ai vu cet individu, j'ai dit à mes amis, attention, attention. Voilà, donc. Là, c'est clair, vous le savez que c'est vos adversaires, que c'est pas vos potes, hein. Ça, c'est une certitude. L'équilibre, la lumière, l'équilibre reviendra avec le temps, hein, voilà. Ça, c'est clair. Avec l'air de temps, ben, on se reviendra, on retournera dans l'équilibre, mais et la paix. Alors, ce qu'il vous dit, ce cher général, si vous voulez, ils veulent absolument mettre la fin à votre paix personnelle en vous faisant douter et avoir peur tout le temps, d'où l'intérêt de ces chiennes dites médiatiques
pour vous dire des tas de conneries les unes derrière les autres. Demain, alors je vous encourage à aller voir une chaîne que vous savez que j'aime bien YouTube, hein. C'est Stratpol. Donc allez bien voir et ce que dit ce monsieur est tout à fait intéressant et tout à fait judicieux. Là, vous aurez des réelles news. Est-ce que le général est content de cet individu qu'on a comme roitelet? Ben pas du tout, hein, il faut le dire clairement, c'est plus qu'un guignol pour lui. Lui, s'il était là il y a longtemps qu'il aurait passé dans les oubliettes, voyez-vous. Il y a longtemps qu'il aurait envoyé sur les roses, mais il n'y est pas, bien évidemment. Mais apparemment, il est avec un ami avec qui se gosse de cette situation. Hein, voilà. Donc hier on a vu que certains de nos amis me disent oui mais alors si vous le dites c'est que ça va se passer. C'est ce que je me répète à vous. J'ai l'impression qu'on n'entend pas ce que je dis par moment. Je vous ai dit et j'ai été claire sur le sujet. Ou bien vous qu'est-ce que je veux dire? Ou bien vous laissez faire, ou bien vous réagissez, voyez-vous, mes amis. Mais vous pouvez pas faire les deux. Il faut réagir, il faut dire stop. Vous avez le droit de dire, bon non, je veux pas de cette situation, et le faire savoir. Voilà ce que on peut dire par rapport à ce sujet, voyez-vous. Donc, je vais faire un tirage du 32, hein, si vous voulez bien. Alors, je vais faire un tirage du 32 et on va poser la question simplement. On va poser la question. Qu'est-ce que voudrait d'une façon le général de Gaulle? Qu'est-ce que voudrait que nous fassions le général de Gaulle? Est-ce que, oui, blablabla, je vais arriver à parler aujourd'hui, je blablote. Alors, qu'est-ce que voudrait qu'on fasse le général de Gaulle? Dites-nous quelle action on doit avoir par rapport à toute cette cohorte de gens si négatifs à notre égard. Qu'est-ce que vous voudriez que nous fassions? Tiens, il y a Tante Yvonne. Tante Yvonne, c'était sa femme, pour ceux qui connaissent pas. Elle est avec lui, hein. Je vous le dis. Alors là, il vous dirait que vous ayez des projets et de mettre en difficulté ce qui se passe, voyez-vous. De ne plus adhérer à ce qui est dit, voyez-vous. C'est ce que ça vous dit de toute façon. Et que, parce que lui, il est très perturbé par ce qui se passe et il comprend pas qu'on dise rien. Et si vous leur mettez des bâtons dans les roues, il faut que vous trouviez un moyen de vous révolter, de dire les choses telles qu'elles sont, et automatiquement, on en aurait le triomphe. Alors, je vais vous dire quelque chose, et écoutez bien ce que je vais vous dire, les enfants. Voilà, c'est ce que j'ai. Là, je vais vous dire, j'ai quelque chose qui me dit, mais quelque chose qu'on voit tout de suite, les enfants. Il se passe un truc, c'est Poupou. Eh ben, je vais vous dire, il va mettre de sérieux bâtons dans les roues. Une fois, il ira jusqu'au bout hein, de son truc. Il ne restera pas en nuque.reine, comme je vous l'ai dit. Il installera des gens qui lui correspondent mieux, et je peux comprendre, vu la situation. On va découvrir des choses hein, par rapport à celui qui a les ailes en ski, vous savez, qui a les ailes blabla, qui a les ailes en ski. Vous savez, j'ai fait un truc sur le sujet. On va découvrir beaucoup de choses et on va découvrir beaucoup plus de choses dramatiques et on va savoir que tout ce qui nous a été dit sur les chiennes, je vais être claire avec vous, c'est du faux, hein. Ce qui est dit actuellement est tout faux. Voilà, donc laissons faire les choses, mais par contre, Poupou, là, je vais vous dire, ça va être du costaud concernant Bricaton et Ursula et toute la clique. Et ils s'en remettront pas parce qu'ils vont... Il va sortir des choses et croyez-moi, là, la vengeance est un plat qui se mange froid, mes amis. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. En tout cas, merci d'être présent. Merci pour vos pouces bleus, vos likes, vos partages et tout, tutti quanti. Alors, soyons dans un moment de folie. Maintenant, on va rentrer dans un moment un petit peu de la
pas de la gaudriole, non, je ne dirais pas, mais un peu de la rigolade, voyez-vous. Il faut aussi avoir des moments de folie passagère ou moins. Voilà, on a le droit un petit peu de s'éclater aussi. Mais là, je suis contente de l'avoir fait concernant ce général, entre guillemets, parce que je trouve que là, ça risque... ouais, il y a des choses qui peuvent nous intéresser. Et que peut-être c'est notre façon de vivre, mais ça je vais pas arrêter de le répéter à tous mes amis qui se reconnaîtront. J'ai pas arrêté de répéter sur le sujet qu'il y avait des changements jusqu'en 2025. Donc qu'on revienne à des choses plus essentielles. Pour moi, ça serait le pot aux roses. Voilà. Gros bisous tendres, mes amis. Ne soyez pas sages. À très bientôt. Ben, à demain, comme d'habitude. Nous serons le lundi jour de lune. Gros bisous tendres. Bye bye. Ne soyez pas sages. Bye bye.